cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique chemin de table tulipe au crochet. Il est vraiment magnifique, je le trouve vraiment superbe. Je voulais le faire d'une autre couleur, mais malheureusement, j'avais que du blanc à disposition. Avant que j'oublie, le mien mesure exactement 1,37 m de long sur 38 cm de large ici au plus large. Il n'est pas du tout difficile. Il est très, 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 très répétitif. Je vais le faire avec vous. Donc, en partant de la première tulipe, on en aura une. On va en avoir deux. On va devoir en faire une. J'ai fait le même procédé avec vous jusqu'à ce qu'on recommence. Jusqu'à ce qu'on recommence de nouveau les deux. Donc, j'ai pris un peu plus de temps pour bien vous expliquer que c'est vraiment répétitif. Au bout d'un... Dès qu'on arrive ici, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder ce qu'on a fait au tour précédent. C'est tout simplement ce que j'ai fait. À chaque nouveau tour, regardez ce que j'avais fait au tour précédent et ça vous donne ce très, très beau résultat. Alors, pour réaliser ce magnifique chemin de table au crochet, avec les mêmes mesures que moi, j'ai eu besoin au total. Comme je vous avais dit, j'ai pris du blanc parce que je n'avais pas autre chose à choix. Autrement, jaune ou rouge, l'aurait été aussi magnifique. J'ai eu besoin au total de 5 pelotes. 5 pelotes, c'est du coton, 50 grammes, et chaque pelote fait 125 mètres. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3, pour la même taille que la mienne, que le mien. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, toutes les informations nécessaires. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire 8 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire 1, 2, 3, 4, qui compte comme la première double bride. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes, un jeté les deux dernières. On a 2 doubles brides. 2 jetés sur le crochet, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes, un jeté les deux dernières. On a notre premier groupe de 3 doubles brides. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2. Trois mailles de séparation. Et on va refaire un dernier groupe de 3 doubles brides, toujours dans le même espace. Donc là, on est à notre premier tour. Pour le deuxième tour, alors, tous les rangs vont démarrer exactement de la même façon. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va avancer. Donc, on a ici 3 doubles brides. On va dans la deuxième. On va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Là. Dans cet espace-là, on va faire 1, 2, 3, 4, qui est notre première double bride. Même espace, on va faire une deuxième. Et une troisième. 3 mailles de séparation. Toujours même espace, on refait un groupe de 3 doubles brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va refaire exactement la même chose. Un premier groupe de 3 doubles brides. Trois
3 mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3 doubles brides. Alors pour le prochain tour, comme je vous ai dit, on va commencer tous nos tours exactement de la même façon. Ici, on va toujours démarrer avec, donc toujours au centre avec les deux groupes de 3 doubles brides. Je vous le dis comme ça, ça m'évite à chaque fois de le refaire. Ici, on va toujours commencer de la même façon et là, on va terminer exactement de la même façon. Donc on va faire une maille en l'air pour commencer, on va tourner. On va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Ici, dans cet espace, à chaque fois, vous allez répéter la même chose. 1, 2, 3, 4. Ici, à l'intérieur, on va donc refaire un premier groupe de 3 doubles brides, les 3 mailles de séparation, et dans le même espace, un deuxième groupe de 3 doubles brides. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque début de rang. C'est pour ça que je vous le dis comme ça, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Ici, dans l'espace au centre, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Une maille de séparation. Ici également, pour terminer, on va toujours terminer avec les deux groupes, ça ne change pas. Donc le premier groupe des 3 doubles brides. Les 3 mailles de séparation. Et dans le même espace, le deuxième groupe de 3 doubles brides. Donc on va toujours commencer de la même façon et toujours terminer nos rangs exactement de la même façon. Donc ici, pour le quatrième tour, j'ai déjà commencé comme je vous l'ai montré jusqu'à présent. On va faire 2 mailles de séparation. Dans la première des 7 doubles brides, ici, on va faire 2 doubles brides dans la même. Dans la suivante, on va en faire une seule. Dans la suivante, on va en faire 2. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Dans la maille suivante, on va faire 2 doubles brides dans la même. Là, on va faire une maille de séparation. Dans la prochaine maille, on va faire 2 doubles brides dans la même. Donc une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on va simplement faire une double bride. Et dans la dernière, on va en faire 2. Donc une, 2. 2 mailles de séparation. Et là, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent, avec nos deux groupes de 3 doubles brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et dans le même espace, de nouveau, notre deuxième groupe de 3 doubles brides. Là. Donc là, on a terminé notre 1, 2, 3, 4e tour. Donc pour le 5e tour, j'ai déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vais faire 2 mailles de séparation. Ici, dans le premier, on va en faire 2.
dans le 1, 2, 3, dans les trois prochains, on va simplement faire une double bride dans chaque. Et ici, dans le dernier, on va en faire deux. Deux mailles de séparation. Dans les deux prochaines, on va simplement faire une double bride dans chaque. Deux mailles de séparation. Ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va commencer par, dans la première, deux doubles brides dans la même. Dans les trois prochaines, on va simplement faire une double bride dans chaque. Et dans la dernière, on va faire deux doubles brides. Donc on a 2, 4, 6, 7. 4, 6, 7, ok. On va terminer comme on a commencé. Deux mailles de séparation. Et là, on va refaire les deux groupes de trois doubles brides. Deux mailles de séparation. Ici, dans les deux prochains, on va simplement faire une double bride dans chaque. Ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Deux mailles de séparation. On va commencer avec deux doubles brides dans la première. Ensuite, une double bride dans chaque double bride que nous avons. Et deux dans la dernière. Deux mailles de séparation et là on va terminer donc avec les deux groupes de trois doubles brides. Donc ici pour le prochain tour j'ai déjà commencé comme d'habitude. Alors j'en ai au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on va faire trois mailles de séparation. Sur ce premier groupe de doubles brides, on va simplement travailler une double bride dans chaque double bride que nous avons. Donc ici, j'ai travaillé simplement double bride sur double bride. Deux mailles de séparation. Dans la première double bride, on va en faire une. Cinq mailles de séparation. Dans la suivante, on en fait une. Deux mailles de séparation. Ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter de ce côté-là. Alors là, on va simplement répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Et on se retrouve après pour le prochain tour. Donc la même chose qu'on a fait là, c'est ce qu'on va faire de ce côté-là. Là, on va faire trois mailles de séparation.
On va dans la première, on va faire une double bride non finie. On garde son crochet. Dans la suivante, on fait pareil, une double bride non finie. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. Maintenant, on va faire une double bride dans chaque double bride, sauf les deux dernières. Donc les deux dernières, on va faire également une diminution. Donc une première double bride non finie. Et dans la suivante, une deuxième double bride non finie. Un jeté à travers le tout. On a fait une diminution au début, une diminution à la fin. Là, on va faire deux mailles de séparation. Ici, dans cet espace, on va faire une première double bride non finie. Une deuxième, une troisième, un jeté à travers le tout. Une, deux, trois. Toujours dans le même espace, on va refaire une première non finie, deux, trois, un jeté à travers le tout. Une, deux, trois. Une, deux, trois, et on va refaire le même procédé une dernière fois. Là. Maintenant, ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va faire de l'autre. Deux mailles de séparation. On va faire une diminution au début. Ensuite, double bride sur double bride. Et une diminution à la fin. Trois mailles de séparation. Et on va terminer avec les deux groupes. Donc pour le prochain tour, on va faire trois mailles de séparation. Trois. Là, on va à nouveau faire une diminution au début, une diminution à la fin. Donc on va dans notre première double bride. On fait une double bride sans terminer. On va dans la suivante. Double bride non finie, un jeté à travers le tout. Donc là, on va faire double bride sur double bride. Et les deux dernières, on va également faire une diminution. Donc vous avez compris de toute façon que ce qu'on fait ici, je vous laisserai ensuite répéter la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, on va faire deux mailles de séparation. Deux. Dans chaque espace que nous avons ici, on va faire cinq doubles brides à l'intérieur dans chaque espace. Une. Deux. Trois. Quatre. Dans le prochain, on en refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le dernier, on fait pareil. 5 doubles brides à l'intérieur.
2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation. Donc, ce qu'on a fait ici, de ce côté avec les diminutions et la fin, là, on va faire pareil. Les diminutions au début et à la fin et terminer comme on le fait jusqu'à présent. Alors ici, j'ai commencé comme d'habitude, sauf qu'à ce stade, on va faire 1, 2, 3. On revient dans le même espace et on fait un troisième groupe. 1, hop, 2. Donc à ce stade, on a 3 groupes parce qu'on va commencer... Préparer pour ouvrir une fleur de chaque côté. 3 mailles de séparation. Là, ici, les 5 doubles brides, on va les fermer ensemble. Donc, on rentre dans la première, on garde. On rentre dans la deuxième, on garde. Dans la 3, dans la 4. Et dans la 5. À ce stade, un jeté à travers le tout. Donc, vous avez compris à nouveau que ce qu'on fait de ce côté, vous allez le répéter ensuite de l'autre. 2, 3, 4, 5. Pour le sixième tour, donc j'ai commencé comme d'habitude, rien de plus. On va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans la première, on va en faire 2. Ensuite, on va faire 1 dans chaque et 2 dans la dernière. Alors on va dans la première double bride, on en fait 2 dans la même. 1, 2. Ensuite, simplement double bride sur double bride, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. Dans la dernière double bride, on va en faire 2 dans la même. Deux. Donc là, on va fermer avec une maille serrée. On va faire 3 mailles de séparation. 3. Ici, dans notre première double bride, on va en faire 2 dans la même. Une et une deuxième. Deux jetés, pardon. On passe une, on va dans la deux, on va faire la même chose. Deux jetés, on passe une, on va dans la deux, ou on en fait deux. Un jeté, on passe une, on va dans la deux, ou on en fait deux. Deux jetés, on passe une, on va dans la 2, on en fait 2. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2, on en fait 2. Trois mailles de séparation et on va répéter ce qu'on a fait de ce côté-là. Alors ici, pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai commencé comme on l'a fait d'habitude, de ce côté-là. Là, on va faire 3 mailles de séparation. On va dans le prochain espace où on va répéter les deux groupes. Une, deux, trois. Même espace, on refait le deuxième groupe. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Ici, sur la feuille de notre tulipe, on va dans la maille,
Et là, on fait une maille serrée. Alors ici, devant, nous avons 3 mailles de séparation. Alors, on va faire une maille serrée dans chaque maille de séparation. Donc, on rentre. Une. Dans la suivante, la 2. Et dans la dernière, la 3. Maintenant, sur toutes nos doubles brides, on va faire des mailles serrées également. Une maille serrée dans chaque double bride que nous avons. Donc vous avez compris, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on va répéter l'autre côté. Sur les 3 mailles serrées, 3 mailles de séparation, on va faire une maille serrée dans chaque. Une maille serrée ici au haut de notre deuxième feuille. Là, on avait fait une maille de séparation, donc on va faire une maille de séparation. De ce côté-là, on va faire les 2 premiers groupes. Trois mailles de séparation. Et on va terminer de nouveau avec les 2 groupes. Donc ici, pour le prochain tour, là, on va déjà commencer à reproduire le tour 1, 2, le tour numéro 3. Donc ici, j'ai fait mes 2 premiers groupes. Je vais faire ma maille de séparation et ici au centre, je vais faire 7 doubles brides. Alors, la maille de séparation. Et donc, dans cet espace-là, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. Et 7. 4, 6, 7. Une maille de séparation. Et là, donc, comme j'étais au 1, 2, 3, et on va refaire le groupe. Donc ici. Maille de séparation. Et dans le même espace, on refait le deuxième groupe. Une, deux, trois. Ici, on va commencer à fermer notre première tulipe et à ouvrir pour en avoir 2 autres. Alors maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Là. Donc ici, si on regarde bien, on a une maille serrée sur le haut de notre feuille, plus 3 au centre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. On va dans la cinquième. Donc 1, 2, 3, 4. On va dans la cinquième et on fait une maille serrée.
Maintenant qu'on a fait la maille serrée, on va faire 3 mailles en l'air. Dans la prochaine maille serrée, on va faire une double bride. Et dans la suivante, on va également faire une autre double bride. 3 mailles de séparation. Directement dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée également. Ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter sur toutes nos mailles serrées, sauf les 4 dernières. Donc je vous remontre. On a la première maille serrée, on fait 1, 2, 3 mailles de plus. Dans la prochaine maille serrée, on fait une double bride. Dans la suivante, on fait également une double bride, comme on a fait ici. 1, 2, 3. Dans la prochaine, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la suivante, on fait une double bride. Dans la prochaine, on fait une double bride. 1, 2, 3. Dans la prochaine, on fait une maille serrée. 2, 3. On avait fait ensuite 3 mailles de séparation, 3. On est en train de répéter la même chose que de ce côté, donc je regarde simplement ce que j'ai fait. On va directement dans l'espace, on va refaire le groupe. On avait fait une maille de séparation et 7 double brides. Donc 7 double brides ici dans l'espace au centre. Une maille de séparation. Et là, on va terminer avec les deux groupes. Alors ici, pour le tour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ici et ici, je vais répéter ce que j'ai fait au tour numéro 4. Au pire, on peut prendre un petit repère et puis à chaque fois le déplacer. Là, ici, on va commencer à faire une fleur de ce côté, une fleur de ce côté. Et là, on va répéter ce qu'on a fait ici. On avait fait, après avoir commencé comme d'habitude, on a fait 2 mailles de séparation, on a fait 2 doubles brides dans la première, 1 dans la deuxième et 2 dans la troisième. Donc alors, on va faire 2 mailles de séparation. Là. On va faire 2 dans la première. 1. 2. 1 dans la suivante. Et 2 dans la suivante.
Là. Donc, je me repère à ça. J'ai fait une maille de séparation et deux dans celle qui suit. Donc, une maille de séparation et deux doubles brides dans la prochaine. Une maille de séparation, on va répéter ce qu'on a fait ici. Donc, deux dans la prochaine. Une dans la suivante. Et deux dans la suivante. Donc, on est en train de répéter ce tour de maille de séparation. On a refait le groupe. Donc, ici, les deux mailles de séparation. Et là, on va reproduire les deux groupes. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, vous avez compris que dès qu'on aura fait ici le procédé, là, on va répéter la même chose que de ce côté-là. Maintenant, on va faire trois mailles de séparation. Trois. On a ici le centre de notre motif. Là, on va faire une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Au centre, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Au centre, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Au centre, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Au centre, maille serrée. On va faire les trois mailles de séparation, puisque maintenant, on va répéter ce qu'on a fait. Donc, 1, 2, 3. Ici, on va faire le groupe. On va faire le groupe, on va faire une maille de séparation, deux mailles de séparation, pardon. On regarde juste ce qu'on a fait là. Et on va répéter tout ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour, bien sûr. Alors maintenant, pour le prochain tour, à nouveau, ces deux côtés-là, je vais simplement de nouveau regarder où est-ce que j'en suis. Donc on va répéter le tour 1, 2, 3, 4, le tour numéro 5, celui-ci. Donc on a fait 2 dans le premier, 1, 2, 3 tout seul et 2 dans le dernier. On va faire donc les deux mailles de séparation. On fait deux dans la première. Ensuite, dans les trois prochains, on en fait simplement une. Et deux dans la dernière. Je regarde ce que j'ai fait. Donc une et une dans la prochaine, c'est tout bon. Deux mailles de séparation. Dans les deux suivantes, on va simplement en faire une dans chaque. Deux mailles de séparation. Et je vais répéter la même chose. Donc, deux dans la première. Une dans les trois prochaines. Et une dans la dernière. Et deux dans la dernière, pardon.
Je vais en faire deux, mais je dis une. Là. Donc, on a répété ça. On va faire les deux mailles de séparation. Et ici, on va répéter les deux groupes. Là, on est en train de fermer une tulipe et en train de créer deux nouvelles fleurs. Pour continuer, on va faire trois mailles de séparation. Dans notre premier espace, ici sur notre fleur, on fait une maille serrée. Là, on va refaire les cinq. Cinq mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Dernier espace, maille serrée. Là, on va faire les trois mailles de séparation. 3. Et on va répéter ce qu'on a fait de ce côté-là, rien de plus. Alors maintenant, je vous laisse terminer de la même façon qu'on a fait ce côté-là.